Bonjour, bienvenue sur Canal Réel pour la 43e édition du Festival Cinéma du Réel. Nous retrouvons Pierre Creton, bonjour Pierre. Bonjour Catherine. Qui est avec nous depuis le début du festival pour une séance de deux films aujourd'hui. Deux films, l'un de 2011, Le Grand Cortège, et l'autre de 2006, Paysage imposé. Deux films pour deux générations. Les enfants au lycée agricole et les grands-parents qui doivent quitter une maison de retraite, celle de Manicarville, pour une autre. Manicarville, qui est un film que nous verrons aussi demain. D'un côté l'adolescence, de l'autre côté la vieillesse. Peut-être que tu peux revenir sur chacun de ces deux films, mais aussi sur quelque chose qui, à mon sens, les relie, qui est l'idée de destinée. Et peut-être aussi quelque chose qui est jamais vraiment dit dans les films, mais qu'on sent très fortement, qui est combien la société pèse et sur ses destinées et sur le paysage. Alors, il faudrait que je revienne au secteur 545, donc mon premier long métrage où je filme des hommes et des femmes en éleveurs. Agriculteurs en activité. Et suite à ce film, j'ai eu envie d'aller filmer leurs enfants qui étaient beaucoup, pour la plupart, au lycée agricole d'Yvetot. Ce qui va être le paysage imposé. Et ensuite est apparue du coup l'idée des trois âges et à partir de Manicarville où là j'ai compris que c'était une sorte de trilogie en fait qui se construisait. Alors j'ai pas fait Manicarville pour ça, c'est-à-dire qu'il y a eu, il s'est passé des circonstances qui ont fait que je suis allé filmer là-bas. Manicarville, c'est un lieu que je connais depuis l'enfance où je me projetais enfant parce que je voyais des gens qui allaient mourir là où ils avaient toujours vécu dans. En plus, dans ce cadre merveilleux du parc de l'ancien château, des arbres centenaires, etc. Et je suis retourné sur ce lieu pour proposer un ciné-club, en fait, pour montrer des films aux résidents. Parce que je fais ça par ailleurs dans des petites sections des enfants dans les villages. Et là, j'apprends qu'ils doivent déménager. Donc, je me rends compte que c'est urgent, d'une certaine manière, c'est urgent de faire le film. Françoise Lebrun est à la maison et je lui parle de ce lieu, de cette histoire. Pourquoi faire un film, peut-être. Je l'emmène voir le lieu et elle me dit, Pierre, si vous voulez, je peux venir faire des lectures. Voilà comment a démarré Manicarville. On a choisi ensemble Proust. Et donc, on a fait ce film sur une année. Et puis je ne sais pas combien de temps après, peut-être une année après, mais peut-être à peine. Donc, le centre a réellement déménagé et est parti à Fécamp. Et donc, il quittait ce parc merveilleux pour aller... au milieu des ronds-points, sur les hauteurs de Fécamp, sans végétation, sans habitation, même à côté, au milieu des ronds-points. Enfin bon, bref, sinistre. Et puis j'ai eu envie d'accompagner, de suivre ces résidents, de les accompagner une dernière fois dans l'ambulance. Donc j'ai embarqué avec eux dans l'ambulance, les filmant jusqu'à leur nouvelle EHPAD, puisque c'est à ce moment-là précisément qu'on est passé de maison de retraite à EHPAD. Voilà. Donc, ce que tu disais sur ce que produisait la société du destin, voilà, là on y est vraiment. C'est-à-dire qu'on change même le nom. Quoi. Maison, c'est quand même le mot merveilleux. Retraite, c'est quand même un très beau. Et voilà, on passe à l'EHPAD. Bon.
Donc du lycée agricole à l'EHPAD. Oui, de la terre à la maison ou du lycée agricole à l'EHPAD. C'est ça. Exactement. Merci Pierre. Merci Catherine. Bon film. Le 9 avril 2005 paraissait dans Le Monde un article « La difficile reconversion des agriculteurs en conservateurs du paysage ». Cela arrivait bien. Depuis janvier, je filmais au lycée agricole d'Yvetot. La question du paysage était au centre de mon projet. Le désir de filmer au lycée agricole est sûrement venu de connaître déjà quelques élèves, fils et filles d'agriculteurs, chez qui je travaille depuis 5 ans, et de les voir dans un autre contexte que celui de la ferme chez leurs parents. La question du paysage me semblait pouvoir lier l'intérêt que je porte à l'agriculture et au cinéma. Quelle différence entre un paysage filmé dans le cadre d'une fiction et un paysage filmé dans celui d'un documentaire ? J'amène au lycée une élève, Laetitia. Nous partons de la ferme de ses parents, où je viens de terminer mon travail. Je lui demande de filmer la route pendant que je conduis, et aussi de commenter le paysage. Une route, des arbres, des talus, des fossés.